Chichou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance un petit peu particulière parce que nous allons travailler le haut du corps, à savoir le dos, les épaules et les bras. Voilà mes petits choux, alors j'ai une grande annonce à vous faire. Je vous la ferai en fin de vidéo et sinon je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans souhaiter un magnifique anniversaire à ma sœur. Voilà, alors je te fais des gros bisous, je te souhaite un magnifique anniversaire. On va faire cette séance tous ensemble à 17h45 tout à l'heure. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on va commencer. Voilà mes petits choux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez envie parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une forme internationale mes petits choux. Alors on va commencer, c'est parti? C'est parti. Alors on se lève et on fait des petits ronds avec les épaules et on souffle. Et de l'autre côté, on réveille tout doucement et on souffle. Et vous mettez un petit j'aime si vous avez fait la séance et un petit commentaire si vous avez réussi la séance. Voilà mes petits choux. Alors maintenant on va prendre les bras, on va se grandir, on va se grandir, on va se grandir en faisant des cercles. Et on souffle d'un côté puis de l'autre côté. Alors on garde toujours le même côté pour 3 cercles et ensuite on changera de côté. On se grandit, 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 on se grandit. Super. Et puis de l'autre sens, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Tout en continuant à souffler, c'est le plus important. Et un petit dernier. Super. On s'étire, on continue à s'étirer. On tire, on tire, on tire, on tire, on continue à s'échauffer. Ça fait du bien. Puis de l'autre côté. On réveille tout doucement. Super. Alors, je vous avais demandé d'amener 3 petites bouteilles d'eau. Donc, une pour boire et 2 pour faire du sport. Voilà mes petits choux. Alors, moi, j'ai pris mes haltères. Voilà, comme ceci. Vous, ça va être des bouteilles d'eau ou des haltères si vous en avez. Et on va faire le développé militaire. Donc, je vous explique. Vous avez vos coudes comme ceci à 90 degrés. Vous tenez vos haltères dans les deux mains. Vous avez vos coudes un petit peu avancés vers l'avant, mais pas trop. Et vous vous levez. Et c'est parti pour 15. Et 1. Et on souffle bien. 2. On a le dos droit, on ne force pas sur le dos. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Alors, on va en faire 8 pour la première série et ensuite, on enchaînera avec 15 pour la dernière série. Ensuite, on va faire des dips. Alors, les dips, vous avez l'habitude si vous faites du sport régulièrement avec moi, mais c'est un très bon exercice. Alors, vous avez les épaules sorties vers l'arrière, les coudes rentrés. Le dos dans l'alignement de la chaise, c'est extrêmement important. Et là, on va faire des dips qu'on va considérer en fait comme faciles entre guillemets. Puisqu'on va avoir les cuisses parallèles au sol et on va devoir descendre, mais les jambes sont à 90 degrés. Voilà, alors c'est parti. Et vous soufflez. Les pieds écart des épaules, bien évidemment. Vous soufflez. On est content d'être là.
faut que le mouvement il soit suffisamment lent à ce niveau-là pour que l'on puisse en fait tout simplement bien travailler. 11, on en fait 15. 12. 13. 14. Et un petit dernier pour la fin. 15. Super. Ensuite, on va passer aux pompes. Alors, les pompes, il y a deux manières, enfin, il y a plusieurs manières en fait de faire des pompes. Mais nous, il va y en avoir deux aujourd'hui. Pourquoi ? Soit à quatre pattes, comme ceci, à quatre pattes, soit exactement le même mouvement, mais avec les jambes un tout petit peu plus éloignées, comme ceci. Les mains dans les deux sens, dans les deux configurations, on va avoir les mains au niveau des pectoraux et on va descendre. On a les épaules qui sont sorties et non pas rentrées comme ceci. Sorties comme ceci, on a le dos droit, on a les fesses suffisamment élevées pour ne pas se faire mal au dos. On ne cambre pas le dos et c'est parti pour 8. Et 1, et on souffle bien, et on descend bien, on doit avoir la poitrine qui touche le sol. 3, 4, on souffle bien, 5, 6, 7, et 8, super. Ensuite, on va passer au quatrième exercice, c'est le Superman. Alors, le Superman, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, ça va travailler tout le corps. C'est-à-dire qu'on va s'allonger sur le ventre, avec les bras surélevés, les jambes surélevées, et on va contracter tout le corps. Voilà, alors, et on est parti pour 45 secondes. C'est parti, et vous soufflez. Vous soufflez bien, vous ne relâchez rien. Vous vous prenez vraiment pour Superman, vous regardez bien devant vous, les bras surélevés, les jambes surélevées. Il n'y a que le bas du ventre, donc le bassin qui touche le sol. Et encore 8 secondes. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. C'est un exercice qui fait travailler tout le corps. Super. Ah, ça fait du bien aujourd'hui, hein. Alors, on va prendre une petite minute de pause et ensuite, on va faire deux séries exactement identiques à celles qu'on vient de faire. Buvez de l'eau, respirez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à faire toute la séance parce que ça m'intéresse. Et surtout, quelle pompe! Si vous étiez à quatre pattes ou si vous étiez comme nous, avec les jambes un tout petit peu en arrière, sur les rotules tout simplement. Vous me direz sur les genoux. On va se prendre une petite minute de pause et ensuite on va enchaîner exactement de la même manière. Voilà, cette série travaille donc tout simplement tout le haut du corps, ce qui est très important parce que c'est toute la musculature. Donc c'est extrêmement important de travailler toute la musculature. Et on est reparti dans quelques secondes. Super. Alors, on va enchaîner avec le développé militaire. Comme je vous ai appris, comme ceci, et on monte. 1. 2, on ne cambre pas le dos, on ne se fait pas mal au dos. 3, 4, et on souffle et on sourit. 5, 6, 7, 8,
Cette série, on va en faire 11. 10. 11. Et 12. Super. Ensuite, on va enchaîner avec les dips. Voilà. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire le maximum de dips possible. Jusqu'à 15, bien évidemment. Mais en ayant les jambes tout simplement tendues. Et non les jambes pliées comme tout à l'heure à 90 degrés. Alors, on met tout. Les mains. Comme d'habitude, de part et d'autre. Cette fois-ci, on a les jambes comme ceci et on descend. Alors moi, je vais un tout petit peu me reculer, sinon je n'aurai pas assez de place. Voilà. Prenez assez de place pour les faire et vous descendez. Dès que vous n'en pouvez plus, vous vous remettez sur la position de tout à l'heure et vous me direz en commentaire combien vous en avez fait. Allez, c'est parti. 1. 2. Et on souffle bien, on a les épaules qui sont sorties. 3, 4, 5. On souffle bien, on a le dos dans l'alignement de la chaise. 6, 7, 8, 9. On regarde bien devant soi. 10. 11, 12, 13. Si vous n'en pouvez plus, vous vous mettez comme ceci. 14 et un dernier. 15. Et c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous remarquez, mais en tout cas, après, ça n'a plus rien à voir dès qu'on passe au dips à 90 degrés. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Voilà mes petits choux. Alors, ensuite, on va passer aux pompes, comme tout à l'heure. Et on est parti pour 8, c'est bien pour ceux qui suivent. Allez, on est parti. Et 1, 2, 3, 4, on souffle bien. 5, on a le dos droit. 6, 7 et 8. Super. Ensuite, on passe au Superman comme tout à l'heure. On a les bras surélevés et les jambes surélevées et on souffle pendant 45 secondes. Allez, on est parti. Et on ne lâche rien, on est bien dans notre peau. C'est le plus important. On souffle bien, on ne lâche rien. On souffle encore 10 secondes. Et après, on fait une petite pause d'une minute. 4 secondes. Super. Bravo mes petits choux. Alors ensuite on boit de l'eau, on respire, on se fait du bien et on enchaîne ensuite sur une petite série exactement pareille. Ah, ça fait du bien. On souffle, on souffle, on souffle, on ne lâche rien. On se fait une petite pause d'une minute. On sent là. Je sais pas, dites le mot et si ça m'intéresserait de savoir. Moi, j'ai tout le haut du corps qui me brûle. À ce niveau-là, au niveau du haut du dos, au niveau des épaules, ça brûle de partout. Mais c'est génial, ça veut dire que ça travaille bien. Et comme on le travaille qu'une fois par semaine, c'est vachement bien parce que c'est vraiment toute la musculature. Après, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop en fait trop travailler le haut du corps. Parce que si on travaille trop le haut du corps, après on va devenir musclore. Et franchement, c'est pas du tout mon but. Allez, on est parti, mes petits choux. On se remet en position de développé militaire. Coude à 90 degrés. Et c'est parti, on souffle. Et 1, 2, 3, on lâche rien. 4, 5, 6, 7, pas trop vers l'arrière, un petit peu vers l'avant. 9, le dos droit. On ne se fait pas mal au dos. 10,
11, on a toujours le sourire. 12, 13, 14 et 15. Super. Et ensuite, on passe aux dips. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas combien est-ce que vous avez réussi à en faire avec les jambes qui sont tendues, mais là, vous allez essayer de battre votre record. Et vous me le direz aussi en commentaire. Voilà, on est parti. On est parti. Ah, on a les mains de part et d'autre. On a les jambes tendues. Et dès qu'on n'en peut plus, on se met les jambes à 90 degrés. C'est parti. Et 1. On a les épaules sorties, bien évidemment. 2. 3. Toujours avec le sourire. 4. 5. 6. 7. Ça brûle, c'est normal. 8. 9. 10. Moi, je vais passer à 90 degrés. Je ne sais pas pour vous, vous me le direz. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Super. Ah, c'est génial. Et ensuite, on passe aux pompes à 8. Ah, ça brûle, c'est génial. Voilà mes petits choux. Alors, on est parti comme tout à l'heure. On a les mains au niveau des pectoraux et on descend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Et ensuite, on passe au Superman, comme tout à l'heure. 45 secondes. Allez, on est parti, go. Et on souffle. On souffle, on souffle, on souffle. C'est le dernier exercice pour aujourd'hui, donc on ne lâche rien. Si ça brûle en haut du corps, c'est normal, c'est tout à fait logique. Encore 8 secondes. Super. Bravo, bravo. Bravo mes petits choux, je suis super fière de vous, je suis super contente qu'on ait fait cette séance ensemble, tous ensemble, je ne parle plus français, bref, qu'on ait fait cette séance tous ensemble, ça m'a réjoui de la faire tous ensemble. Sinon, je voulais vous annoncer aussi un bon anniversaire à ma sœur qui m'aide. Toute la communication de cette chaîne YouTube. Voilà mes petits choux. Je voulais vous faire des gros bisous et sinon n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez fait la séance et un petit commentaire pour me dire comment est-ce que vous avez trouvé la séance. Voilà mes petits choux, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous demain pour un hit mais un petit peu particulier puisqu'on a fini le niveau numéro 1 tout simplement. Donc là on passe au niveau numéro 2. Voilà mes petits choux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 17h45. Bisous mes petits choux.